Voilà, ça tourne. Ça tourne. Et c'est bien. Alors, je me présente. Philippe Socker, au 36 rue. Vous entendez le coq? Il fait son travail. Donc, au 36 rue de l'Hôtel de Ville à Reno, je passe un coucou. Stéphanie Gibaud, lanceuse d'alerte, qui a écrit le livre La Traque des lanceurs d'alerte, préface par Julian Assange, qui est aujourd'hui incarcéré pour avoir dénoncé des crimes. It's upside down. Si on met en prison les gens qui dénoncent des crimes, c'est le monde à l'envers. Seront poursuivis pour non-assistance à personne en danger. Crime contre l'humanité, rien que ça. Car, je vais vous expliquer, l'usus est une réduction à l'esclavage, et l'esclavage est considéré comme un crime contre l'humanité. Donc, il y aura plusieurs personnes que je poursuivrai pour complicité de crime contre l'humanité. C'est très simple. Cofidis, en 2015, alors que j'avais fait un rachat de crédit, m'a renvoyé une carte bancaire. Même code, 3000 euros de fonds. Il savait donc, de par ce fait, que on allait dépasser les 33% d'endettement qu'autorise la loi. Donc, Cofidis nous mettait en situation d'usus. J'aurais dû être correctement défendu par mon ancien curateur Jacques Schneider, qui ne m'a jamais donné d'explication. Il a voulu rembourser arbitrairement les banques avec l'argent de l'héritage de ma maman décédée au 28 mai 2014. Seulement, quelques jours après, 11 très exactement, le 9 juin, ce dernier est arrivé à mon domicile avec l'assistante sociale Amandine Lasserre, et a donc augmenté mon stress, alors que cette personne aurait été censée défendre mes intérêts, en demandant à mon ex-épouse Rachel de demander la curatelle renforcée. Je ne vous dis pas le palpitant quand j'ai entendu ça. Jacques Schneider, vous serez poursuivi aussi. Vous ne m'avez jamais donné de réponse. Tout comme Marie-Christine Sacklin, aux deux à rue des Dames à Lingolsheim. Michel Burger, quant à vous, je vous ai demandé d'établir un certificat circonstancié. Vous m'avez dit, lorsque je vous ai vu et que je travaillais chez Rodin Moon en Allemagne, ah, moi j'ai schizophrène. C'est pas parce que vos collègues marquent que je suis schizophrène que vous, automatiquement, vous devez vous greffer dessus. Hein. Parce que sinon, vous êtes un mouton, comme tous les moutons qui finissent dans un ravin. Et, de ce fait, vous n'avez pas, en tout cas, vous ne pouvez plus avoir votre place au CHS de Kraft, puisque vous êtes actuellement en poste. Alors, je vais dire, comme Fabrice Arfi, quand il parle de Benalla, ou de gens comme ça, moi, ça ne me fait pas plaisir. Et donc, je ne pense pas que je vais aller jusqu'au bout. Par contre, il faudra quand même qu'on se trouve un arrangement en commun parce que Luc Schmitt a placé mon fils Lucas sous, très probablement lui, sous curatelle renforcée, puisque je ne sais pas qui l'a placé sous curatelle, sa curatrice qui serait une Camille Angers. Je n'ai jamais eu de réponse, j'ai essayé 7 fois d'appeler. C'est une association, c'est des gens, c'est très très lent. J'ai toutes les tentatives de contact dans mon téléphone portable. À quelle heure? Pendant combien de temps je laisse des messages? C'est incroyable la lenteur de ces gens-là. On est le 17 août de l'année 2020, il est 6h35 du matin, et puis merci à Florentin Meyer, à Jérôme Meyer, donc Lucas, mon fiston. Aujourd'hui, I'm not alone, et puis je vais passer à Spécial 5, 2,
Gary. You see this t-shirt? Rock Shocks, you gave me this t-shirt in Moudon since years ago, and I hope you'll see it. We see us together this year. Hope everything is going right by you. And you know what? I don't find the casket you gave me. If it's possible to send me another, I will pay it. Because I like it. Rock Shocks is a good mark. Thanks to all the trialists from all the world. I will give you news. I have difficulty to find words in English because I read English, I hear English, but I didn't speak in it enough. That's why there are the other day the cock, the Gulliver, it's the rooster. Et je passe un coucou au Red Rooster. Oh, il doit flipper. Oh, je dirais pas pourquoi. Bonne journée.